Le 20 juillet 1969, il y a exactement 50 ans, jour pour jour, l'astronaute américain Neil Armstrong marchait sur la Lune, en prononçant ces mots restés gravés dans l'histoire. That's one small step for man, one giant leap for mankind. À bien des égards, cet instant exceptionnel constitue l'un des événements les plus marquants du XXe siècle, et pour certains même, de l'histoire de l'humanité. Outre son incroyable réussite scientifique et technologique, cette odyssée a marqué nos imaginaires collectifs pour une raison simple, sa diffusion à la télévision. En effet, près de 600 millions d'êtres humains découvrirent en direct les premières images de la mission Apollo 11, et avec parfois des choix originaux d'illustration musicale. Au Royaume-Uni notamment, la BBC illustre l'alunissage par une chanson récente d'un artiste encore peu connu, Space Oddity, de David Bowie. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Et oui, si les mésaventures du Major Tom devinrent à l'été 69 le tout premier tube de Bowie, peu de gens savent que la chanson fut diffusée au même moment que les propres aventures de l'homme sur la Lune. En regardant d'un peu plus près la longue carrière protéiforme de David Bowie, il est possible d'y déceler de nombreuses références à l'espace, de son tout premier album éponyme jusqu'à son dernier, Black Star, en passant par ses performances cinématographiques, notamment dans le film Un homme venu d'ailleurs. À l'image de la simultanéité de Space Oddity et des premiers pas de l'homme sur la Lune, on peut se demander si les références spatiales dans l'œuvre du chanteur ont suivi l'évolution de notre propre découverte des étoiles. En d'autres termes, peut-on décrire notre rapport à l'espace par les œuvres artistiques de David Bowie ? Aujourd'hui, à l'occasion des 50 ans de l'alunissage et plus de 3 ans après la mort de l'artiste, je vous propose une analyse croisée entre la carrière du musicien et la conquête spatiale, afin de mettre en lumière les liens qu'entretient David Bowie avec l'espace. Si Space Oddity marque le point d'orgue des liens entre Bowie et l'espace, ces derniers débutent en réalité dès l'enfance de l'artiste. David Robert Jones, de son vrai nom, naît à Londres le 8 janvier 1947, tout juste 6 semaines avant que les États-Unis ne débutent l'exploration spatiale en envoyant les premiers animaux dans l'espace, quelques mouches à 109 km au-dessus de la surface du globe. Les années suivantes sont l'occasion pour les deux superpuissances d'améliorer leur dispositif spatial et d'effectuer des vols habités avec divers animaux. Mais trop jeune pour apprécier pleinement ces avancées scientifiques, le jeune David Bowie se heurte au cosmos par un autre biais. Avant de devenir une grande compétition internationale, l'exploration spatiale était avant tout un rêve, une promesse, pour de nombreux auteurs et notamment de science-fiction, dont David Jones est un des lecteurs. En 1953, à l'âge de 6 ans, il découvre le roman de Robert Heinlein, Starman Jones, et la série de la BBC Quatermass, qu'il avoue regarder en secret sans l'approbation de ses parents. Les deux œuvres font chacune référence à des aventures spatiales et marquent durablement l'imagination du jeune Bowie. Mais ses lectures ne s'arrêtent pas là. Tony Visconti, le producteur historique de l'artiste, dira notamment de lui « David m'a toujours donné l'impression d'être cultivé ». Dans les années 60, on parlait souvent des livres de science-fiction qu'on avait lus tous les deux, des écrivains connus comme Bradbury, Asimov et Sturgeon, et aussi d'autres complètement inconnus. L'amour de Bowie pour l'espace débute donc par la fiction, et ce n'est pas un hasard si en 1965, l'un de ses premiers groupes, The Lower Third, rend hommage à Quatermass en ajoutant à son répertoire le générique de la série, intitulé Mars, The Bringer of War, composé au début du siècle par l'anglais Gustav Holst. En 1957, alors qu'il n'a que 10 ans, la réalité rencontre finalement la fiction.
Le 21 août, les soviétiques parviennent à lancer le R-7 Semyorka, le tout premier missile balistique intercontinental, qui devient quelques mois plus tard le lanceur du premier satellite humain, Sputnik, lancé par l'URSS le 4 octobre de cette même année. Ce lancement, qui stupéfait la planète sur l'avancée technologique de l'Union soviétique, marque l'an 1 de l'ère spatiale et le début de la course à l'espace entre les deux superpuissances. Moins d'un mois plus tard, le 3 novembre, l'URSS remporte une nouvelle victoire dans cette compétition en faisant de la chienne Laïka le premier animal en orbite autour de la Terre. Les espaces infinis dont rêvait Bowie dans ses lectures ne sont donc plus des songes, mais une réalité bien concrète, avec par exemple, pour la seule année 1959, les premières photographies de la Terre depuis l'espace, le premier impact avec un autre corps céleste, et la première photographie de la face cachée de la Lune. Le 12 avril 1961, l'URSS franchit encore une étape cruciale, en faisant de Yuri Gagarin le premier humain envoyé dans le cosmos pour un vol orbital, suivi quelques semaines plus tard, le 5 mai, par son adversaire américain, Alan Shepard. Dans ce milieu particulièrement masculin, citons tout de même le cas de Valentina Tereshkova, devenue la première femme à voyager dans les étoiles le 16 juin 1963, au cours de la mission soviétique Vostok 6. Cette décennie est marquée par de nombreuses avancées technologiques, mais également par les premiers albums de David Bowie. Malgré les échecs commerciaux de ses premiers singles, il publie son premier album éponyme en 1967, chez Deram Records. L'album ne trouve toujours pas son public, mais il contient la première référence explicite à l'espace de la carrière du chanteur, dans la chanson Love You Till Tuesday, avec ce vers « Don't be afraid of the man in the moon, because it's only me ». Ces paroles illustrent parfaitement le fait que pour Bowie, l'exploration spatiale est encore synonyme de poésie, et non pas d'événement scientifique. L'année suivante est marquée par plusieurs missions spatiales importantes, telles que Zond 5 chez les soviétiques et Apollo 8 chez les américains, qui toutes deux ouvrent les portes du voyage vers la Lune. Et comme si cela ne suffisait pas, 1968 est aussi l'année de sortie d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, j'ai bien entendu parler de 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. David Bowie n'a alors que 21 ans, et durant l'été 68, il va voir et revoir par trois fois le film au London Casino Cinérama. Il affirme à Classic Rock en 2012 « C'est le sentiment d'isolement auquel j'ai été confronté. J'ai trouvé le tout incroyable. Je n'étais plus moi-même, j'étais très stone quand je suis allé le voir, à plusieurs reprises, et ça a vraiment été une révélation pour moi. » La séquence finale de 2001 et les images du monolithe flottant éternellement dans les étoiles ont un impact considérable sur Bowie, ce qui lui inspire une chanson dont il enregistre la démo en janvier 1969. Vous l'aurez deviné, il s'agit des prémices de Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Cette chanson évoque le Major Tom, un astronaute qu'on suppose être l'un des premiers hommes dans l'espace, mais qui, suite à un dysfonctionnement de son vaisseau, est pris au piège du cosmos, dérivant lentement au-dessus de notre monde. La version finale de la chanson est enregistrée le 20 juin 1969, soit un mois jour pour jour avant que Neil Armstrong ne foule du pied la Lune. À cet instant, David Bowie ne peut pas anticiper que la sortie du single, prévue pour le 11 juillet, va si bien coïncider avec le jour de l'alunissage. C'est en réalité la maison de disques de l'artiste
qui précipite la sortie de Space Oddity afin de capitaliser sur l'engouement du public pour la mission Apollo 11. C'est pourquoi le 20 juillet 1969, aux côtés de Pink Floyd et leur morceau Moonhead, Space Oddity est diffusé par la BBC pour illustrer les premiers pas de l'homme sur la Lune. Le choix d'une chanson évoquant une défaillance technique pour illustrer un événement à l'issue si incertaine peut paraître surprenant. L'explication la plus probable est que la BBC n'a pas lu attentivement les paroles de Space Oddity, qui peuvent à certains moments en effet s'apparenter à une description scientifique. Le décompte avant le décollage, les effets sonores simulant l'envol d'une fusée, ou encore les paroles, qui ne sont ni plus ni moins qu'une conversation entre un astronaute et le centre de contrôle. La chaîne de télévision anglaise comprend finalement son erreur, et Space Oddity n'est plus diffusé à l'antenne avant le retour en toute sécurité de l'équipage d'Apollo 11 sur Terre, le 24 juillet 1969. Si Bowie ne cache pas le lien évident entre son tube et le film de Kubrick, d'autres œuvres peuvent également être à l'origine de la chanson. J'ai déjà cité la série Quatermass, dont un épisode mettait en scène un astronaute perdu dans l'espace, mais on peut également évoquer une autre série, Out of the Unknown, et son épisode Beachhead, au scénario similaire, diffusé le 28 janvier 1969, alors que Bowie est justement en train de travailler sa démo. Le chanteur déclare, après la publication de son tube, « Je veux que ce soit le premier hymne de la Lune, et je pense personnellement qu'il a parfaitement réussi sa mission. » La simultanéité parfaite avec Apollo 11 a fait du tube la chanson ultime de l'ère spatiale. Une chanson certes magnifique, mais également tragique et très imaginative, soit tous les sentiments qu'un chef-d'œuvre de science-fiction doit nous procurer. Le succès de la mission Apollo 11 le 20 juillet 1969 met fin à un fantasme séculaire, celui d'emmener l'homme sur un autre corps céleste. Cette épopée historique a malheureusement un effet négatif rapide. Le public et les médias se désintéressent peu à peu de la question spatiale, puisque la Lune a déjà été atteinte. De la même manière, David Bowie abandonne quasiment au cours des albums suivants la conquête des étoiles, même s'il poursuit son exploration de la science-fiction. Même le single Life on Mars, qui porte l'album Hunky Dory en 1971, n'évoque en réalité ni la planète rouge, ni les chroniques martiennes de Ray Bradbury. La chanson est simplement une métaphore utilisée par Bowie pour évoquer l'isolement, l'altérité, la différence. C'est donc un heureux hasard si sa publication coïncide avec le premier vol en orbite autour de Mars par une sonde américaine et avec le premier contact d'un objet humain avec le sol martien. La vie extraterrestre devient finalement le sujet principal d'un album entier en 1972, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Celui-ci raconte l'histoire de Ziggy Stardust, un alien descendu sur Terre afin de délivrer un message d'amour et de paix à une humanité condamnée à disparaître. Devenant sur notre planète une véritable superstar du rock, Ziggy Stardust finit par s'autodétruire en raison de sa notoriété et de ses propres excès. Encore une fois, la carrière de Robert Heinlein comporte un roman au scénario relativement proche, qui a pu inspirer Bowie. Stranger in a Strange Land, publié en 1961, rapporte l'histoire d'un homme qui, après avoir été élevé sur Mars, revient sur Terre en véritable héros. Best-seller dès sa sortie, le roman a eu une influence majeure sur la contre-culture des années 70, notamment par sa valorisation du désir sexuel sans tabou. Après l'histoire du Major Tom, un homme explorant l'espace, Bowie s'intéresse donc au thème opposé, celui de la créature de l'espace, de l'alien, de l'étranger, qui rend visite aux hommes. Paul Buckmaster, arrangeur de David Bowie sur Space Oddity, confirme alors qu'il s'agissait d'un sujet récurrent chez l'artiste. On avait des discussions fantastiques.
Les premières qu'on a eues portaient surtout sur une sorte de mysticisme de la science-fiction, mélangé à un peu de métaphysique et de spiritualisme. Quand on s'est rencontrés, on parlait beaucoup d'extraterrestres et d'OVNI. C'était le principal sujet de débat. Ainsi, The Rise and Fall of Ziggy Stardust est constellé de références à l'espace et aux aliens. Mais contrairement à Space Oddity et ses potentielles descriptions scientifiques, les paroles sont cette fois des métaphores poétiques sur l'identité, la bisexualité et l'androgynie. Bowie entretient lui-même le trouble des genres avec l'esthétisme de son personnage Ziggy Stardust et parvient à nous interroger sur notre propre identité d'être humain, d'habitant de la planète Terre. Dans ce même état d'esprit, David Bowie incarne, en 1976, dans le film de Nicolas Roeg, The Man Who Fell to the Earth, un extraterrestre envoyé sur Terre pour trouver un remède au manque d'eau sur sa planète. La performance de l'artiste dans ce film, pleine d'étrangeté et d'abstraction tout à fait saisissante, semble nous convaincre que le chanteur est lui-même un alien dans son propre corps. Les albums suivant Ziggy Stardust, jusqu'à ceux que l'on surnomme la trilogie berlinoise, n'ont que très peu de rapport avec le cosmos, et il faut finalement attendre Scary Monsters en 1980 pour y retrouver un clin d'œil. L'album comporte une chanson intitulée Ashes to Ashes, dans laquelle David Bowie brise le quatrième mur dès les premières paroles pour s'adresser à son audience. Vous l'aurez deviné, 11 ans après Space Oddity, le chanteur fait ici de nouveau référence au Major Tom, qui a repris contact avec la Terre et se dit très heureux de sa vie dans l'espace. Cependant, Ground Control met en garde l'auditeur sur les déclarations de son ancien employé, en affirmant de but en blanc « Nous savons que le Major Tom est un junkie ». Ashes to Ashes apparaît donc comme une suite de Space Oddity, et si certains y voient une auto-dénonciation de la jeunesse de Bowie et de ses abus de drogue, c'est que l'espace y est encore utilisé comme une métaphore, et non comme une référence aux étoiles en tant que telle. La chanson est également la première à ouvrir la voie des retours multiples du Major Tom dans l'œuvre de Bowie. Ainsi, 15 ans plus tard, l'album Outside propose une nouvelle facette de la vie du personnage avec le morceau Hello Space Boy. Dans celui-ci, Bowie m'exprime par sa poésie habituelle de sombres idées telles que Space Boy, You're Sleepy Now ou Moon Dust Will Cover You, qui pourraient être interprétées comme une tentative du chanteur d'enterrer définitivement l'un de ses premiers personnages. Seulement, c'est oublié qu'en 1995, la conquête spatiale avait d'ores et déjà fait 232 victimes, dont des astronautes et des personnels techniques et civils au sol. Aussi, Hello Space Boy peut également s'apparenter à un requiem de Ground Control envers son défunt Major Tom, qui bien que peut-être junkie, est avant tout perdu dans le cosmos. Même si certaines chansons gardent ici et là une phrase poétique sur les étoiles, les albums de l'artiste possèdent moins de références explicites à l'espace, ce qui semble être en corrélation parfaite avec la faible médiatisation de l'exploration spatiale durant ces décennies. On est en effet bien loin de l'effervescence des années 60, on atteste le budget en chute libre de la NASA, malgré des projets scientifiques particulièrement importants, tels que la mise en orbite du télescope Hubble, ou les travaux préparatoires à la création de la Station Spatiale Internationale. L'espace semble être devenu soit une affaire de scientifiques, dont le grand public ne comprend pas vraiment les enjeux, soit une routine à laquelle on ne fait plus vraiment attention et que l'on a gentiment oubliée. Quelques années plus tard, en 2002, David Bowie revient sur le devant de la scène, avec son album Heaven, dont Slow Burn est l'un des singles. Le titre aux paroles mystérieuses n'a en soi aucun rapport direct avec l'espace, mais le clip vidéo de la chanson est à ce sujet plus instructif. À la fin de ce dernier, le chanteur jette un regard en coin à une combinaison d'astronautes, que l'on ne peut qu'associer, encore une fois, au Major Tom. Certains y voient une métaphore de la mort du personnage, mais il est aussi possible d'interpréter ce regard comme un message, signifiant « oui, le Major Tom est toujours là quelque part, il est peut-être mort, mais je ne l'ai pas oublié ». Ce rappel à l'ordre de Bowie sur la pertinence de l'exploration spatiale, via son personnage emblématique, coïncide de manière quasi parfaite avec la création de SpaceX en mai 2002,
entreprise américaine privée d'aérospatiale, qui est aujourd'hui l'un des deux seuls prestataires privés de la NASA. Le développement du secteur privé en matière de conquête des étoiles, ainsi que la politique spatiale élaborée par George W. Bush en 2004, apporte un nouveau souffle à un domaine en manque de médiatisation. L'avertissement de Bowie aurait-il remis à la mode la conquête spatiale ? Toujours est-il qu'en janvier 2013, dans son avant-dernier album The Next Day, David Bowie formule de nouveau quelques références à l'espace, de manière symbolique, dans des chansons telles que The Stars Are Out Tonight ou encore Dancing Out in Space. Mais il faut finalement attendre janvier 2016 et son dernier album Black Star publié deux jours avant sa mort pour que David Bowie livre ses dernières œuvres consacrées à l'espace. Black Star, dont le titre fait référence à une théorie concernant l'effondrement d'une étoile massive, s'ouvre sur le morceau qui donne son nom à l'album. Un chef-d'œuvre de 10 minutes, proche du free jazz, accompagné d'un clip vidéo réalisé par Johan Renck. Dans un univers particulièrement occulte, où un soleil noir éclaire une planète inconnue, on découvre le cadavre du Major Tom, dont le crâne est serti de pierres précieuses. Récupéré par une femme extraterrestre, la tête de l'astronaute est l'objet d'un culte mystérieux, qui semble faire du personnage favori de Bowie une sorte de divinité. Ce sentiment est accentué par le champ lexical des paroles, qui évoque notamment une bougie, un ange, un lieu sacré, mais également par une scène marquante du clip, lors de laquelle le squelette décapité du Major Tom s'élève gracieusement vers l'infinité du cosmos. À travers Black Star, Bowie nous livre une nouvelle facette de sa perception de l'espace, une vision davantage mystique, spirituelle, que la déification du Major Tom illustre à merveille. Cette résurrection est confirmée par le second single de l'album, Lazarus, qui fait référence au personnage biblique de Lazare, ressuscité par Jésus. Dans un dernier souffle, affaibli par la maladie, David Bowie n'évoque pas à proprement parler l'espace, mais multiplie les références à la mort et au paradis, confirmant de nouveau la portée spirituelle de cet album. Mais la mort de Bowie et du Major Tom ne signifie pas pour autant la fin de l'exploration spatiale. De nouveaux acteurs, et je pense en premier lieu à la Chine, se sont également emparés de cette thématique et avec une réussite certaine. En témoigne le succès de la mission Chang'e 4, dont la sonde est devenue le premier engin spatial à atterrir sur la face cachée de la Lune le 3 janvier 2019. Avec plus de 50 ans de carrière, 25 albums studio et près d'une quarantaine d'apparitions au cinéma ou à la télévision, la carrière de David Bowie est riche, extrêmement riche. Je n'ai donc fait aujourd'hui que survoler son œuvre, je m'excuse d'avance pour les puristes. J'ai entre autres largement écarté les nombreux titres de science-fiction qui n'évoquent pas le cosmos, mais une chose est sûre, la thématique de l'espace a longuement accompagné David Bowie. Hormis Space Oddity qui coïncide à la fois dans ses paroles et dans son timing avec l'alunissage, ses autres chansons ne sont pas directement en lien avec l'exploration spatiale, car pour Bowie, l'univers était bien plus qu'un lieu à visiter. Les étoiles étaient pour lui une muse, grâce auxquelles il écrivait des chansons métaphoriques sur la sexualité, la gloire, la mort, en bref sur les questions existentielles du genre humain. Si David Bowie fait désormais partie du silence éternel des espaces infinis, comme disait Blaise Pascal, son héritage est aujourd'hui toujours bien vivant. Je pense notamment à son fils, Duncan Jones, qui réalisa un premier long métrage intitulé Moon en 2009, mais aussi à la reprise de Space Oddity en 2013, par l'astronaute américain Chris Hadfield, alors en mission au sein de la Station Spatiale Internationale. Enfin, vous en avez déjà sûrement entendu parler, SpaceX a lancé une Tesla dans l'espace, au sein de laquelle se trouvait un mannequin, dénommé Starman. Ces hommages, ces clins d'œil, nous rappellent à quel point David Bowie fut certes un amoureux de l'espace, mais avant tout à quel point son influence fut grande sur nos vies. Faire vivre son héritage, c'est aussi faire vivre sa propre vision de l'univers, où chacun d'entre nous, peu importe son identité, son orientation sexuelle ou son origine, a le droit à un peu d'amour, de paix et de bienveillance. J'espère pour ma part avoir apporté ma modeste pierre à l'édifice de notre hommage collectif à ce grand artiste. Merci David.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. C'était un vrai plaisir pour moi de vous parler de Bowie. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à l'envoyer à vos amis fans de Bowie ou de l'espace. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une FAQ à l'occasion des 4 ans de la chaîne. D'ici là, passez un bel été. Ciao.